Mais Jean-Paul II, moi, c'est un gars que je kiffe. Franchement, c'est mon pape préféré. Je pense que Jean-Paul II, s'il était encore là, ce serait le gars, le pape, qui ferait ça. Je te jure, il est trop fun. T'imagines un pape qui danse? Imagine un peu, un pape qui danse. Il serait là, ses évêques et tout, autour de lui. Il forme un cercle. Tu te rappelles, le cercle de danse à l'époque, avec les beats. Allez, Jean. Allez, Paul. Alléluia. Ce serait lourd. Mon kiff, tu sais c'est quoi mon kiff maintenant? C'est que quand je m'ennuie un peu, j'essaye d'imaginer de grandes personnalités en train de danser. Tu vois, non c'est possible. T'as déjà Emmanuel Macron, il s'est tapé un diable. Donc bientôt tu auras Donald Trump, il va sûrement faire ça. Je te jure ça. Bon, en même temps, Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait longtemps qu'il a envie de se faire une Corée quand même. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est pourquoi je pense qu'il va faire ça. Mais franchement, j'adore ce pas. J'adore. Tu sais ce à quoi ce pas me fait penser? Tu vois les petites filles, mes élèves. C'est pas les petites, c'est pas ce que font les petites filles à l'école qu'elles viennent se plaindre. Ah! Vous vous battez? Je vais te dire ça, monsieur. Monsieur! Monsieur! Les deux se bossent. Putain, comment ça me fout le soupe? Je dis, monsieur, il y a Epiphane qui m'a tapé. Comment je le comprends, Epiphane? Je le comprends, ouf. Non, je jure, en plus, moi, j'ai prof d'une matière dégueulasse. Tu vois, la matière EPS. Gros, c'est la matière où, genre, quand t'es au collège, t'es à la maison, en train de regarder la télé, à 22h, et ta maman vient, oh! Et t'es ça, elle va dormir. Non, mais c'est bon, au moment, j'ai EPS demain. Non, c'est bon, tu peux rester. Putain, quand t'es prof de PS, t'es le polo quand t'es de la salle des profs. C'est toi, surtout quand t'es jeune, c'est toi le prof mignon qui... Genre, quand tes collègues demandent à tes élèves, oh, arrêtez, bavardez. De toute façon, après, vous avez EPS. Il n'y a plus de respect. Moi, le collège, mes années de collège, ça me rappelait ma mère. Ma mère adorait les vins. J'étais obligé de tout en travailler. Elle adore les vins. Le vin. Elle adore les vins. Elle adore vraiment les vins. Et j'étais obligé tout en ramener. Quand je ramenais un vin, ça c'est mon fils. Quand je ramenais un zéro, ça c'est le fils de son père. En gros, ma mère c'était la France. Quand tu fais bien, t'es son fils. Mais quand tu gères pas, t'es le fils de ton père. Tu as vu son nez. Il n'y a personne dans ma famille qui a un nez comme ça. Hein. Non, dès qu'il est né, j'ai senti qu'il n'était pas de moi. Tu m'as trompé. Je te jure, prends le bulletin comme ça, 20 en maths. Ça, c'est mon fils. 5 en EPS. Pas très endurant, hein. Comme ton père.